Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui, on va parler de cette face-à-face entre le journaliste Campbell Williams et l'artiste Mariama Kankalale. On a tous vu hier cette émission. C'était une émission, une face-à-face qui était très, très tendue entre le journaliste et son invité. Pour cause, Williams a posé une question dérangeante à Mariama Kankalabé, comme quoi cette dernière sort avec des ministres. Et il fallait pas poser cette question à l'artiste, car étant aussi détentrice des secrets du l'animateur Williams, Mariama Kankalabi a ouvert son sac et la famille, c'était de la bombe. Et comme toute attente, ça a vraiment mis mal à l'aise l'animateur qui est Campbell Williams. Et comme vous le savez, dans ses émissions, on a l'habitude de voir ses invités abandonner le plateau. Mais hier, c'était le contraire qui s'est produit dans l'émission. Car ce que vous allez voir, je laisse d'abord regarder la vidéo. Après, on va encore analyser après avoir regardé l'intégralité de cette petite partie qui était vraiment, vraiment chaude entre les deux personnes. Je vois, vous dites que c'est une gol. C'est une. Oui, parce que, comme ça, là, Milandi qui m'a en question, non, mais je n'ai pas dit que gol, la sonka. On go comme Milandi, mais oui, à Campbell, nous n'y arrivons, c'est simple, n'a fait caramo que yagal. Campbell, n'a pas mis au lantadoum, jaranalan, amérita, ou. Explicane, quoi, nous, on y fait, mi marika, soudra, ma, comme marika, fion, nous, m'explicant, ta mère. Voilà, cette petite partie, j'ai oublié de vous dire. Cette affaire de chat. Voilà, selon l'animateur, et depuis que Mariama Kankalabé est venue de Togo, elle a envoyé un chat avec lui. C'est pas l'artiste fait allusion à une affaire de maraboutage ou quoi. En tout cas, selon l'animateur, que depuis qu'elle s'est retournée du Togo, elle ne se sépare plus avec son chat blanc. Alors, on continue à regarder la vidéo. Tu es qui pour moi? Non, non, pas du tout. Disons-nous la vérité. Tu es qui pour moi? Fimi, je me vois là. Si je me vois de côté, je me vois de côté. 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 Moi, je ne te reconnais pas ce soir, franchement. Moi-même, je ne te reconnais pas. Non, honnêtement, parce que si on nous dit que nous avons 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 dit que non, mais c'est ça, en fait. Voilà. Comme vous voyez, déjà, l'animateur allait comprendre que cette personne qui est face à lui a aussi des secrets contre sa personne. Mais peut-être Williams a pensé que c'était juste du vent. Alors, on continue encore à regarder la vidéo. C'est naturel, mais on doit faire ça. Mais on doit faire ça. Ça te fait fille, si nous nous donnons l'endo, nous devons faire ça. Nous devons faire ça. On doit faire ça. Ma carrière, on est comme ça. S'il te plaît, Na ye négocier ko lari fi be munyo ha e ba buddi yo babe yo birabe doydoy mais est-ce que ça mais va mais écoute ça va avec moi est-ce que mi simi jodi ke do mi hali dun don harak na katele do welate hmm kambe mi do anduma he abola mi do anduma
ojiwo mo won a yotudo de gollo waka bank prometo da mo a jombaym dandi ko sido an ata mariam écoute heu tata écoute moi minisi dandi ko sido an écoute moi bo hande onto situation onto programme mo feundi wona redujo a hebinali mo asali reconnaissance gol ni sede mi do anduma onno ma wolande écoute habolande écoute moi s'il te plaît mi ala da vie privée goddo me ba pousi lan konko wolda do finugo écoute s'il te plaît ça, on n'est pas là pour ça s'il te plaît finugol mimmi la mari mazi la yemi do dabbi nyaare mi la mari puissance ni yeni kambel on debbo munda daynude don min depuis tout america mission do rebe jelo nodduma écoute s'il te plaît andano mi ngion ko me sibbe am yeto ma on ko biddo ko tirawa mo yego ni ni france jo gollo wonka bank mi alta ende makko ne écoute ani ko fala france kambele je vais t'écouter pourquoi. S'il te plaît, on n'est pas là pour ça. Ne rentre on pas. On est là pourquoi? Ne rentre pas, c'est que tu improvises des choses. Parce que non, j'improvise quoi? Voilà mon improvise de. Voilà. Au fait, c'est ce que Campbell a semé, c'est ça il a récolté. Quand vous l'écoutez, il dit qu'ils ne sont pas là pour ça. Au fait, concernant sa vie privée. Et pourtant lui, il appelle les gens parce que vous ne pouvez pas sans savoir que avant d'organiser une émission, on appelle déjà la personne. La personne est au courant déjà de toutes les questionnaires qu'on va lui poser avant d'accepter l'invitation. Mais Campbell, lui, il faisait toujours l'exception. Il faisait toujours, comment on appelle ça? Il faisait toujours le contraire. Quand il appelle, par exemple, il appelle une star, en fait, il lui donne des questionnaires qu'il va lui poser sur le plateau. Mais une fois que cette personne arrive sur le plateau, c'est tout à fait le contraire. Voilà, c'est tout à fait le contraire que l'animateur pose ses questions, ses questionnaires. Et là, comme Mariam Kankalabé aussi a commencé à rentrer dans ses secrets, Williams essaie de la stopper pour lui dire comme quoi ils ne sont pas sur le plateau pour parler de sa relation amoureuse. Alors on continue encore à écouter cette face à face. Koko wonda woli do ko fala da landi ke lan do woli fi otoje fi gouvernement fi mi do yoba ton mi do jokki ministre Campbell yo on jabbo don anka di yeti men ko bon fi no na dayna imbe men ben juube wonbe mad noddude poccio paccano wola don ko star joka ka do jokkondire ministre joka c'est pourquoi mettre de ma quoi met taylan pese mi jokki ministre jokondo mi merita woni kan mi ala nden darnde han Campbell hey accirni fi yalla mami yetto ma joni ko be suuduma ko Mariam, tu es au niveau d'eau. Mais tu es une femme mariée. Même si je suis mère de quoi Voilà. Campbell, toi-même, tu sais que la femme, elle est mariée. Toi-même, tu sais ça, elle est mariée. Alors, tu lui poses des questions comme quoi elle sort avec des ministres. Et pourtant, tu es au courant que c'est une femme mariée. Alors, on continue. Savoir comment faire les choses. Non mais c'est ça parce que maintenant Mimi pose des questions. Non, il pose des questions s'il te plaît. Confirme parce que à wola woni na nani. Campbell he kan a wi da feti. La voiture ma simple un simple je ne sais pas comment je vais te qualifier. Anyama ko nyamu da wara jodda ka plateau do wola. Sina sabu patron ma harayno an ay etano ma do parce que min la ngoli baka yoko. Ko goddo mo mi teddini ko dun addi lando. Min non subay ko wola nala. Minna imbe men fo volantalande si no wode ko souda da ko hande goddo yetaake ma non pas affaire de désolé ici écoute ko yore goddo ne non pas affaire de Mariam voilà on va parler juste de cette petite partie au fait concernant maintenant les invités il y a un bon moment que Williams lui-même ne contacte plus les invités au fait pour les inviter dans son émission. C'est son patron Bakayoko, lui-même qui se charge de ça maintenant. Parce que si Campbell, lui, il appelle ses invités, ces personnes refusent de venir sur son plateau. Mais
Ces derniers temps, c'est son patron lui-même, Bakayoko, qui s'en occupe. Il appelle les invités au fait pour les faire venir sur le plateau de son émission. Alors, on continue à écouter. Je suis vraiment désolé. Non, je suis... Non, non. T'es une femme, je te respecte. Tu m'as jamais respecté. Je n'ai pas touché ta famille, donc ça ne veut pas le coup. Non, non, non. Tu as touché plus que ma famille. Écoute, s'il te plaît. Tu as touché ma dignité. Écoute, s'il te plaît. Campbell, tu as touché ma dignité. Annie Comfa, là. Je veux qu'on arrête l'émission, s'il te plaît. Non, on n'arrête pas. Je veux qu'on arrête l'émission. Mariam, je suis déçu de toi, franchement. C'est une déception de ta part. La régie, je pense bien qu'il est temps de fermer. Non, 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 on ne ferme pas. Quand tes yeux fenêtres de l'émission. Mais écoute, s'il te plaît. Non, désolé. Non, désolé. Andrew Dohore, mon dimo birimbe, dido. On ou kota koi vi, goto, fosa fasa. Est-ce que ça vaut? Non, là, c'est là où l'artiste aussi va commettre une grosse erreur. Elle ne devait pas du tout s'attaquer à la famille et puis toucher Campbell jusqu'à atteindre sa famille. C'est là où elle aussi, elle a fait une erreur. Elle ne devait pas du tout dire ce qu'elle a dit ici. Là. Ok, on continue pour voir la fin. Dani kona la Hollande. Mido andi, quand on est en d'accord la Hollande. Je suis vraiment désolé hein. Moi aussi je suis vraiment donc, désolé. Donc on y va dans la vraie vie. Oh, je te crois vraiment une personne respectueuse. Mais ça y est, la ngande suis respectueuse moi. OK. Donc c'est bon la régie. Non, parce que la fala la vol de fima. Honnêtement, je vais conclure l'émission. Non, 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 bon, merci beaucoup. Pas hein. Non, pas merci. Du tout. Non, écoute s'il te plaît. Écoute, il faut qu'on se respecte. Mini non. Mayam. Eh. Billahi wallahi. On arrête. On n'arrête pas. C'est moi qui t'ai invité. Aoulou, invité. Milan de Massaoulou, Anne, si tu prépares, je suis ferme prête pour toi. Écoute, s'il te plaît, respecte-nous. Ça, c'est un plateau, c'est une émission. Non, 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 non. C'est une émission. Je précise que c'est une émission. Milan de ma vie, il faut qu'on a oublié. Est-ce que ça vaut le coup? En émission, il faut qu'on a oublié. Milan de ma vie, dis-moi, il rime, il faut qu'on a oublié. Mini, dimo bi rimbe dido watano wawdani anka sembu neddo nyamo wo pijera jodo do fosa fasal minani wonno nanuda okay, vas-y c'est bon. C'est moi qui un journaliste qui s'élève okay. Non c'est bon hein? Je t'ai invité c'est bon on laisse comme moi, ça moi tu m'as pas invité mi ko baka yoko no dilan d'accord il n'y a pas de problème okay, c'est bon alors attends c'est qui écoute, c'est moi qui t'ai invité dans l'émission. Regarde-moi donc, ça. On arrête l'émission, un journaliste d'accord? Mal formé. La régie, c'est bon. Mal formé, très mal formé. La régie, c'est bon. Regarde-moi ça. Comment toi, tu peux me dire Yo. Voilà, la famille, vous avez vu cette réaction de Campbell. En tout cas, tout le monde se pose la question, est-ce que Campbell devait abandonner le plateau. Pour moi, non. Il ne devait pas abandonner le plateau. Plutôt, il allait essayer de faire revenir la dame à la raison et puis essayer par après clôturer l'émission. Mais il ne devait pas du tout abandonner son invité. Mais cette fois-ci, c'est son niveau. Parce qu'on a vu aussi ici, dans son émission, d'habitude, c'est les invités qui l'abandonnent sur le plateau. Mais cette fois-ci, il est tombé sur une lionne qui le pousse, lui, à son tour, de libérer le plateau. Mais ce que tout le monde doit savoir, c'est que César démission, ça se passe partout dans le monde. César démission. Et moi, je ne peux pas juger Campbell parce que toutes ces personnes qui passent ici, elles ne sont pas les premières à passer dans l'émission. Ils ont déjà vu avec d'autres personnes. Comme c'est que l'adage Fusou dit, on compte mon bord en fait. Si tu as vu que ton ami est passé par là, il a subi une chose, une deuxième personne est passée, a subi la même chose, je pense que la troisième personne, qui est toi, tu dois bien réfléchir avant de passer là-bas aussi. En fait, avant d'accepter l'invitation. Vous le savez très très bien que le gars
il a déjà les informations sur vous avant que vous n'arriviez, avant d'arriver sur son plateau d'émission. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Au lieu de venir ici faire des trucs que beaucoup de personnes regardent, au mieux de ne pas du tout accepter l'invitation. En tout cas, moi, je pense. Et je vais juste vous mettre une émission similaire à ce que Campbell est en train de faire sur West Africa TV. La CNN Papillon, habit mélangé là. Après son émission Aziz 47, un jour, deux jours après, il allait demander pardon à Aziz 47. C'est là qui est là. Non, pour être une nouvelle personne. Donc si moi, Nakona, je dois comprendre qui tu es là. Donc depuis près de 10 ans à 20 ans, tu étais une personne impure et tu allais te mettre devant tes fidèles pour les évangéliser dans la saleté. Parce que quand tu pars en Israël, aller te laver pour revenir, pour dire que tu es une nouvelle personne. C'est que dans ton passé, depuis combien d'années, tu étais un homme impur. Souvent, je me pose la question, ne te pose pas des questions. Comment le diable peut t'inspirer ce genre de questions? Mais je vais te répondre. D'accord. Je ne suis pas allé mettre l'avant en Israël. J'ai perdu ma femme. Les principes juifs disent, quand tu perds ta femme, tu as 6 mois pour te remarier. Mm-hmm. Et avant de le faire, mm-hmm. on te réconsacre. Mm-hmm. Les juifs m'ont réconsacré. Mm-hmm. Ils m'ont donné 6 mois. Mm-hmm. Je reviens avec celui qui est mon parrain, le rabbin Cohen, pour les convaincre. Mais quand tu dis que 6 mois comme une nouvelle personne. Assez, laissez-moi finir. Que 6 mois est assez court. Voilà, vous avez vu, c'est presque la même chose que Campbell essaye de reproduire en Guinée. Alors, si vous avez aimé la vidéo, surtout, ne voulez pas de la liker, la partager et surtout la commenter. Merci, à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.